Monsieur Le Gall, vous présentez Danny Blue lundi à Clairefontaine. Danny Blue qui ne vous a jamais déçu hein, jusqu'à présent. Non, tout à fait. Je pense que ça a été une bonne réclamation. Elle a couru 3 fois pour nous, 2 fois deuxième, et elle vient de gagner dernièrement sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors là, changement de sport, entre guillemets, c'est lundi, puisqu'on passe de 2008 à 2400 mètres. Oui, effectivement, mais bon, je pense pas que ça la dérange énormément. Quand elle a couru la première fois pour nous, on a couru 2100 mètres terrain très lourd à 5 coups. Oui. Donc, je pense que le rallongement de la distance ne devrait pas la déranger. C'est une jument qui progresse actuellement. Oui, c'est une jument qui, pour l'instant, on connaît pas encore trop ses limites. Bon, là, on monte un petit peu de catégorie, donc. Voilà, on va essayer de laisser, on va voir comment ça va se passer, et puis on va dire on sera un petit peu plus intelligent par la course. Et ce numéro tout à l'extérieur, ça peut vous embêter? C'est une jument qu'il faut cacher en partant pour pas qu'elle tire. Après, c'est difficile à dire. Bon, j'aurais préféré avoir un numéro un petit peu plus en dedans quand même. Là, je sais pas trop. Là. Avec le 18, bon, de toute façon, on va partir, et puis. Essayer de l'arranger le plus rapidement possible, quoi. D'accord. Bah, très bien. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Peut bien se comporter quand même, on a l'impression. Oui, j'en attends quand même un bon comportement de sa part. Bon, on monte de catégorie. On n'a pas spécialement un bon numéro, mais c'est une jument qui n'a jamais déçu et qui est très courageuse.